Hallelujah. Amen. What a powerful ministration from heaven this morning. God bless you, choir. Que Dieu bénisse la chorale pour cette prestation du ciel ce matin. In Jesus' name. Amen. Somebody, you are excited to be in your father's house this morning. Si vous êtes content d'être dans la maison de votre père ce matin. The very first day for the month of October. Le tout premier jour du mois d'octobre. God has taken us through the month of January or through September. Now we are in October. Dieu nous a emmenés de janvier à septembre et maintenant nous sommes en octobre. In spite of the devil. Malgré le diable, he made devil of no relevance to our parts. Il a rendu le diable inutile à ce qui, en ce qui nous concerne. We have seen the Lord's goodness. Nous avons vu la bonté du Seigneur. We have seen his love. Nous avons vu son amour. We have seen his grace. Nous avons vu sa grâce. What else can we do? Que devons-nous faire d'autre? Than to say thank you, Papa. Sinon dire merci, Papa. Thank you, Daddy. Merci, Père. For all you have done. Pour tout ce que tu as fait. Maybe you are thinking nothing is working for you. Peut-être que vous pensez que rien ne marche pour vous. Your legs are working. Mais vos pieds fonctionnent. Your eyes are working. Vos yeux fonctionnent. You are among the living. Vous êtes en, parmi les vivants. You heard that brother. Vous avez écouté ce frère. The spirit of death came. L'esprit de mort est arrivé. God said no. Dieu a dit non. I will preserve you. Je vais te préserver. But to you, mais pour toi, the Lord has sent death far from your dwelling. L'Éternel a envoyé la mort loin de ton habitation. How can we celebrate him enough? Comment est-ce que nous pouvons suffisamment le célébrer? We owe him sacrifice of praise. Nous lui devons des sacrifices de louange. We dance and celebrate him this morning. Nous allons danser le célébrer ce matin. He said, out of them shall proceed thanksgiving. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. The voice of them that make merry. La voix de ceux qui se réjouissent. And I will glorify them. Je les glorifierai. I will multiply them. Je les multiplierai. They can never be few. Et ils ne seront pas petits. Nor be ashamed. Et ils ne diminueront pas. For the next 5 minutes. Pendant 5 minutes. The choir will lead us. La chorale va nous conduire. As we dance and say, Father. Pendant que nous allons danser et dire Père, thank you, merci for bringing us to the month of October. De nous avoir emmenés au mois d'octobre. And in this dance, et dans cette danse, this celebration, dans cette célébration, something will happen. Quelque chose arrivera. Every walls of Jericho, tout mur de Jéricho that is obstructing your next level breakthrough, qui confronte la percée de ton prochain obstructing niveau, obstructing your supernatural visitation, et qui bloque ta visitation surnaturelle, they shall be leveled now, seront aplanis maintenant. We will lead us for the next 5 minutes. La chorale 5 minutes. As we celebrate God. Pendant que nous célébrons Dieu. Alléluia. We are saying thank you, uh-huh. Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you, yes. Jesus, thank you, Lord, thank you, Papa. We are saying thank you, uh-huh. Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying. Yeah.
Because you want the Lord has done for me. He has taken away my sorrow and I am free. I am a little guru. I am a paralyzed guru. Because of Jesus, every day I shall come. Merci, merci, Jésus. Merci, merci,
merci, merci, merci, merci, merci, merci, aïe, 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 deliverance.
Et après la délivrance, upon Mount Zion, à la montagne de Sion, there shall be holiness. Il y a la sainteté. That sin that easily beset you before now. C'est un péché qui t'enveloppait si facilement avant. After everything, après tout, you will say, oh God, I have disappointed you. Tu dis, oh Dieu, j'étais encore déçu. I said I was not going to do this again. J'ai dit que je n'allais plus le faire. I didn't know what came over me. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. From today, à partir de you are clothed with the spirit of holiness. Tu es couvert de l'esprit de sainteté. The man of sin will never overcome you again. L'homme du péché ne te vaincra plus. Then after being clothed with holiness, et après être revêtu de la sainteté, qu'est-ce qui suit? We are talking of Obadiah 17 now. Abdias 17. And God people possess their possession. Et le peuple de Dieu possède ses possessions. Whatever belongs to you in the spirit realm. Tout ce qui t'appartient dans le règne de l'esprit. That Satan has hijacked. Que Satan a pris. I decree and release now. Je déclare sa libération maintenant. Je déclare sa libération. Je déclare sa libération. Any forces tampering with your destiny? Toute force qui retient. I command them to collapse for yourself. Je déclare qu'ils s'écroulent pour toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. Daddy, we cannot celebrate you enough. Père, nous ne pouvons pas suffisamment te célébrer. We can only celebrate you some more. Nous allons toujours te célébrer un peu plus. We are set to dine at the feet again. Nous sommes prêts à dîner à tes pieds encore. Your word is life. Ta parole est vie. Your word is you, Father. Ta parole est vie. Let your power enter us afresh. Que ta puissance nous pénètre à nouveau. Let the power of fruitfulness enter us afresh. Que la puissance de la fécondité nous pénètre à nouveau. Open our eyes to see who we are. Ouvre nos yeux que nous voyons qui nous sommes. And grace us to walk in the reality of who we are. Donne-nous la grâce de marcher dans la réalité de qui nous sommes. And at the end of the day, et en fin de compte, we vow to return the glory to you. Nous faisons le vœu de te retourner toute la gloire. Sweet Holy Spirit of God, tout Saint-Esprit de Dieu, I decrease, je déclare, for you alone to manifest. Que toi seul, je me soumets pour que toi seul te manifestes. Take all the glory, Daddy. Reçois toute la gloire, Père. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Put your hands together for the Lord. Hallelujah. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Please be seated. Amen. Amen. Once again, happy new month. Une fois de plus, joyeux nouveau mois. We have left the month of single digits. Nous sommes partis du mois d'un chiffre. We have entered the month of double digits. Nous sommes maintenant au mois de deux chiffres. Your blessing is changing. Vos bénédictions changent. From single to double. De simple au double. Du kit au double. Beginning from today. À partir d'aujourd'hui. Till the end of the month. Jusqu'à la fin du mois. Till the end of the year. Jusqu'à la fin de l'année. All your blessings shall be double double. Toutes vos bénédictions double, seront double. Doublées. Double, double. Doublé. Double, double. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. As been declared to us this morning. Comme j'ai déclaré ce matin. Our prophetic focus for the month. Notre thème prophétique du mois. I will not leave you helpless. Je ne te laisserai pas impuissant. What are good news? Quelle bonne nouvelle! What a good news! Quelle bonne nouvelle! That I am not alone. Que je ne suis pas seul. In this journey of life. Dans ce voyage de la vie. No matter what comes my way. Peu importe ce qui m'affrontera. I know I can make it. Je sais que je réussirai. I know I can stand. Je sais que je me tiendrai. No matter. Peu importe ce qui peut venir vers moi. My way. Ma vie est entre tes mains. Is in your hands. Hallelujah. Amen. I am not a lone ranger in the journey of life. Je ne suis pas seul dans ce voyage de la vie. I have a helper. J'ai un soutien, un who secours. Is always by me. Qui est toujours à mes côtés. I have a very big God. J'ai un si grand Dieu. Who is always at my side. Qui est toujours à mes côtés. A mighty God. Un si grand at Dieu. My side, à mes côtés.
You don't need to see him. Vous n'avez pas besoin de le voir. But he's there. Mais il est là. Hallelujah. Amen. Thomas said to Jesus. Thomas a dit à Jésus. Until I see. Jusqu'à ce que je vois. I will not believe. Je ne croirai pas. Jesus said, Thomas. Jésus a dit Thomas. You are not only see, you are see. Voilà. Touch. Touche. But blessed are they. Mais heureux. Who didn't see. Ceux qui croient. And they believe. Sans avoir vu. Blessed is she. Béni. Blessed is she. Béni. That believes. Ceux qui croient. For there shall be. Heureux celles qui croient. Car elle verra l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé. By the Lord. Par le Seigneur. Do you believe? Est-ce que vous croyez? You are not alone. Que vous n'êtes pas seul. In the journey of life. Dans le voyage de la vie. I see the hand of God. Je vois la main de Dieu. Coming your way. Venir vers vous. Daniel chapter 6. Daniel 6. They conspired against Daniel. Ils ont conspiré contre Daniel. And from verse 15, 18. Et à partir du verset 16, he was thrown into the lion's den. À 18, on l'a jeté dans la fosse au lion. As he began to descend to the lion's den, et pendant qu'il descendait dans la fosse, the lion in the tribe of Judah, le lion de la tribu de Juda, lion of all lions, le lion de tous les lions, appeared, est apparu. Instead of lion to see Daniel, au lieu que les lions voient Daniel, they were seeing the king of lions. Ils voyaient le roi des lions. And they bowed to their king. Et ils se sont prosternés devant one leur roi. Say, our king. Et l'autre a dit, notre can roi. I be your pillow? Est-ce que je peux être ton oreiller? Et l'autre a dit, can roi. You rest your leg on my body? Tu peux mettre tes pieds sur because mon corps. You must honor the king. Parce qu'on doit honorer le roi. They thought they threw Daniel. Quand ils ont jeté they Daniel, never knew the lion of the tribe of Judah. Ils ne savaient pas que le lion de la tribu the de Juda, of all lions, le lion de tous les lions, was who they threw. Est celui qu'ils avaient jeté. Hear me, people of God. Écoutez-moi, peuple de Dieu. I don't know where you are. Je ne sais pas où vous êtes. God know my way. Dieu connaît mes voies. Through the wilderness. À travers le désert, all I need to do, ce que je dois faire, is to follow, c'est de le suivre. Jesus knows my way. Jésus connaît le chemin dans le désert. All I need to do, tout ce que je dois faire, is to follow. C'est de le suivre. He's right there with you. Il est là avec vous. He's right there with you. Il est là avec vous. He's your helper. Il est votre he secours. Can never leave you. Il ne vous laisse jamais. He said, can a woman forget her suckling child? Une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait? He said, maybe they might forget. Il a dit oui, elle peut oublier. But you are too dear to me. Mais vous m'êtes si précieux. There's a suckling child and a woman mother relationship. Vous êtes plus précieux que cette relation mère et fille. Say, I am too dear to God. Donc je suis si précieuse à Dieu. More dear to God. Je suis plus précieuse. Than a child and mother relationship. Que la relation entre une mère et son enfant. Say amen. Dites amen. So will you experience it? Vous allez l'expérimenter. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. John chapter 14 verse 16 or through 18. Jean 14, 16 à 18. Jesus said the comforter. Jésus a dit le consolateur. Talking about the Holy Ghost. Parlant du Saint-Esprit. Which my Father will send in my name. Il a dit le Saint-Esprit he que mon Père enverra sera avec vous. And he shall be in you. Et il sera en vous. He will not just only be with you. Il ne sera pas seulement avec he vous. He will also be in you. Il sera en vous. Hallelujah. Amen. As we continue the teachings for the month, pendant que nous continuons l'enseignement du mois, understanding the ministry of the Holy Spirit, comprendre le ministère du Saint-Esprit. So the Holy Spirit is the man we are describing now. Le Saint-Esprit est l'homme que nous décrivons maintenant. That was what distinguished David. C'est ce qui a distingué David from every other man that existed in the Old Testament. De tout autre homme qui a existé dans l'Ancien Testament. David was a man in the Old Testament. David était un homme dans l'Ancien Testament. Who see into New Testament? Qui a vu dans le Nouveau Testament? And dive into New Testament. Et qui s'y est plongé? And brought New Testament. Et qui a emmené le Nouveau Testament, to Old Testament dans l'Ancien Testament. And live in New Testament.
Et il a vécu le Nouveau Testament. Even in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. The Spirit come upon you. L'Esprit descendait sur toi. Use you. T'utilisait. And go. Et partait. But David. Mais David. Carried the Spirit. Portait l'Esprit. That's why he said in Psalm 51. Voilà pourquoi il dit dans le Psaume 51. Take not away. Ne m'enlève pas. The Holy Spirit from me. Ton Esprit Saint. He said, that's why they asked Jesus, said, who do they say I am? Voilà pourquoi il a dit, qui est-ce qu'on dit que je suis? They said, they call you son of David. Quand t'appelles fils de David. Jesus said, don't mind their ignorance. Il a dit, ne t'occupe pas de leur ignorance. When David called me my Lord. Quand David m'appelait mon Seigneur. David said, I saw my Lord. Il a dit, j'ai vu mon Seigneur. Sitting in the right hand. Assis à la droite. Of the throne. Du trône. So David was a man in the Old Testament. Donc David était un homme dans l'Ancien Testament. But he transferred into the New Testament. Mais qui a été transporté dans le Nouveau and Testament. Took the advantage of the New Testament blessing. Et il a pris avantage des bénédictions du Nouveau no Testament. Wonder he never lost any battle of his life. C'est pas étonnant qu'il n'ait perdu aucune bataille dans la vie. David was a man. David était un homme. That knows how to honor God. Qui savait comment honorer Dieu. He commanded God. Il savait comment. God have no choice. Comment louer Dieu et Dieu n'avait pas de choix. Samuel told Eli. Samuel par Eli. See what God said we do. Voilà ce que Dieu a dit qu'il va faire. He said he is God. Il a dit il est Dieu. Nobody can change him. Personne ne peut le changer. Now Nathan told David. Il est allé dire à David. Told David. Il a dit à David. See what God want to do. Voici ce que Dieu veut faire. God said choose. Dieu a dit choisis. Your enemies. Tes ennemis. Pursue you for three months. Qui te poursuit pendant 3 mois. Or famine 3 years. Ou la famine pendant 3 ans. I send my sword in 3 days. Ou j'envoie mon épée en 3 jours. David said, God wait. Il a dit, Père, attends. I will tell you I'm a smart man. Je vais te dire que je suis intelligent. That is what we call New Testament. Il y a ce qu'on appelle Nouveau Testament. Where grace cover. Où la grâce couvre. He said, I don't need my enemy to chase me for 3 months. Je ne veux pas que mes ennemis me poursuivent pendant 3 mois. I don't need famine for 3 years. Je n'ai pas besoin de famine de 3 ans. I choose your sword. Je choisis because l'épée. I know. Parce que je sais. You are a gracious God. Tu es un Dieu gracieux. That your 3 days. Cette sentence. I know what to do. Je sais ce qu'il faut your en faire. Mercy can reverse it. Ta miséricorde peut changer cela. That's okay, c'est dit. Parce que c'est 3 days. 3 jours. The first day was not over. Le premier jour n'était pas encore fini. David has cornered God again. Que David avait déjà mené encore Dieu à côté. God told the angel. Dieu a dit à l'ange. It's enough. Ça suffit. Leave him. Laisse-le. So we are looking at what? The spirit of revelation. Nous voyons quoi? L'esprit de la révélation. If you must live a triumphant life. Si vous devez mener une vie de triomphe. You need the spirit of revelation. Vous avez besoin de l'esprit de révélation. It is one spirit. C'est cet esprit. It is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. But it manifests in diverse forms. Qui se manifeste sous diverses formes. Just as it was in the life of Jesus in his earthly ministry. Comme il était dans la vie de Jésus durant son ministère. Isaiah 11, 1 and 2. Isaïe 11, 1 à 2. He said, there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. And the spirit of the Lord shall rest upon him. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. That is one. Premièrement, they move on to say the spirit of wisdom. Esprit de sagesse. Two. Deux. The spirit of understanding. Esprit d'intelligence. Three. Trois. The spirit of counsel. Esprit de conseil. Four. Quatre. The spirit of mind. Esprit de force. Five. Cinq. The spirit of knowledge. Esprit de connaissance. Six. Six. And of the fear of the Lord. Et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Seven. Sept. One spirit. Un esprit. They were all at work in Jesus. Et ces esprits étaient à l'œuvre dans la vie de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. He said there are diverse gifts of the Spirit. Il y a diversité de dons, mais but the same esprit. Spirit.
But the same spirit. Mais le même esprit. Different administration. Il y a diversité de ministères. But the same Lord. Mais le même Seigneur. And there are diversity of oppression. Diversité d'opérations. But the same God. Mais le même Dieu. Which work all in all. Qui opère tout en tout. Verse 7. 7. But the manifestation of the Spirit. Or à chacun la manifestation is given de l'esprit. To every man. Est donnée. To profit with her. Pour l'utilité commune. God wants your life to be a profitable life. Dieu veut que vous meniez une vie profitable. It is your profitable life that brings glory to heaven. C'est votre vie profitable qui apporte la gloire au ciel. So that's why we had the diversity of the spirit. Dans diversité d'esprit. Let's look at the spirit of revelation. Regardons l'esprit de révélation. As we said, the spirit of revelation. Ephesians chapter 1, verse 17 to 18. Ephésiens 1, 17 à 18. He said that the God of our Lord Jesus Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ. The Father of glory. Le Père de gloire. May give unto you the spirit of wisdom and the revelation. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation. In the knowledge of him. Dans sa connaissance. The eye of your understanding being enlightened. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. That ye may know what is the hope of his calling. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel. And what the riches of his glory. Et quelle est la richesse de la gloire. Of his inheritance in the saints. De son héritage réservé aux saints. By redemption. Par révélation, there are so many inheritance loaded for us. Il y a plusieurs héritages pour nous. Hallelujah. Amen. That when you tap into the reality, voilà pourquoi quand vous entrez dans cette réalité, then your life become unstoppable. Votre vie ne peut être arrêtée. You see our father, Bishop David Oyedepo. Vous voyez notre père, l'évêque David Oyedepo. He have no two head. He has no two head. Il n'a pas de tête. Neither does he have 25 hours. Et il n'a pas 25 heures. Neither does he have another God. Et il n'a pas un autre Dieu. The same my father. C'est le même père. Is the same his father. C'est le même père qu'il a. Now, what is the difference? Quelle est la différence? Revelation. La révélation. That's why Apostle Paul said, I know of a man. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je connais un homme. 13 years ago, il y a 13 ans. Who went to the third heaven, qui allait au troisième ciel. And he saw, et qui a vu. What is difficult to explain. Ce qui est difficile à expliquer. He said, whether the man was in the spirit, et quand il était en esprit. Or he was in the flesh, ou qu'il soit dans la chair. I don't know. Je ne sais pas. He was talking about himself. Il parlait de lui-même. He was not with Jesus. Il n'était pas avec Jésus. And Apostle Peter said, et l'apôtre Pierre a dit, by the mighty revelation of Apostle Paul, par la révélation de l'apôtre Paul, he says things that are difficult to understand. Il dit des choses difficiles à comprendre. That means even me that sat under Jesus' feet, c'est-à-dire que moi qui étais assis au pied de Jésus, pendant 3 ans et demi, what this man knew, ce que cet homme fait, I am still learning. Je continue d'apprendre. That's why he single wrote to third of the New Testament. Voilà pourquoi il a écrit un tiers du Nouveau Testament. Does God have favorites? Est-ce que Dieu a des favoris? No. Non. It's just revelation. C'est juste la révélation. If we are to talk by hierarchy, si on doit parler d'hierarchie, Jesus told Peter. Jésus a dit à Pierre, thou art Peter, tu es Pierre, upon this rock, et sur toi, I will build my church, je bâtirai mon église, and the gate of hell shall not prevail. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront where pas. Was Paul? Ça c'était voilà Paul. By revelation, par révélation, he's two third of his book, il a écrit 2/3 only him, du livre, lui seul. Is what is guiding you and I today. C'est ce qui nous conduit, qui nous dirige aujourd'hui. Peter only gave us first Peter and second Peter. Et Pierre a seulement donné 1 Pierre et 2 Pierre. After today's service, après ce service, I see your eye opened. Je vois vos yeux ouverts. You will see into deep things of God. Pour voir les profondeurs de Dieu. Some years ago, about, il y a quelques années, about 10 years ago, environ 10 ans, I was telling God, I have studied the Bible back and front. Je disais à Dieu, j'ai étudié la parole. And he reminded me, et il m'a rappelé, the first scripture you know, la première écriture, was John 3:16.
C'était Jean 3:16. For God so loved the world, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. And God said to me, et Dieu m'a dit, if I start teaching you things about John 3:16, si je commence à t'enseigner des choses sur Jean 3:16, you will discover, tu vas découvrir, you have not known anything about John 3:16, que tu ne connais pas ce verset. Till now, we are still talking now. Jusqu'aujourd'hui, I'm still trying to know what is John 3:16. Je continue d'apprendre sur Jean 3:16. Revelation. La révélation. May anytime you open the scripture, à chaque fois que vous allez ouvrir une écriture, may the spirit of revelation take over you. Que l'esprit de révélation vous saisisse. Anytime you hear the word of God, chaque fois que vous allez écouter la parole de Dieu, may the spirit of revelation take over you. Que l'esprit de révélation in vous saisisse. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Holy Ghost, le Saint-Esprit, is our helper, est notre soutien, notre secours, in accessing the revelation of the word, pour accéder à la révélation de la parole. 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthiens 2, reading from verse 9 all through 13, de 9 à 13. Verse 9 says, eyes have not seen, l'œil n'a point vu, ears have not heard, l'oreille n'a point entendu, neither has it entered into the heart of man, et ce n'est point monté dans le cœur de l'homme, the thing the Lord has prepared for them that love me, pour ceux qu'il aime. Verse 10. Verset 10. But he has been revealed unto us. Dieu nous les a révélés. By his spirit. Par l'esprit. For the spirit search all things. Car l'esprit sonde tout. How you will profit in your business, he can search it out for you. Comment est-ce que vos affaires vont devenir profitables, il peut vous le how dire. How you can have a glorious home, he can search it out for you. Comment est-ce que vous aurez un foyer glorieux, il peut vous le dire. That office that you are stagnated. Somebody, one occultic man said you will not get promotion. The spirit know how to work out your promotion for you. Ce bureau dans lequel tu es stagnant parce qu'un occultiste a dit que tu n'auras pas de promotion. Dieu sait comment te montrer comment avancer dans ce milieu. The spirit of revelation. L'esprit de révélation. It was not ordinary love. C'était pas l'amour ordinaire. That distinguished Daniel in Babylon. Qui a distingué Daniel à Babylone. Because there was something in him. Parce qu'il y avait quelque chose en lui. The spirit of revelation. L'esprit de révélation. Hallelujah. Amen. That make him relevant to Nebuchadnezzar. Qui l'a rendu important. When Belshazzar messed up. Quand Belshazzar s'est mal comporté. His peace left him. Son esprit l'a conduit. The wife said, "Don't trouble yourself much." Il a dit, ne te trouble pas. There is a man in this kingdom. Il y a un homme dans ce royaume. Who have the spirit of revelation? Qui a l'esprit de révélation? Since all the magicians cannot explain to you. Vu que tous les magiciens ne peuvent pas t'expliquer. He will tell you what you need to know. Il te dira ce que tu dois savoir. And that spirit is available for you and I. Et cet esprit est disponible pour vous et moi. That's why you don't need somebody to be jarring and say hey, your tomorrow. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui s'agite pour vous dire votre lendemain est. A man came to my office. Un homme est venu dans mon bureau. He brought two of our daughters. Il a emmené deux de ses filles. He said they went somewhere. Qui sont allés quelque part. He said one church. Dans une église. You know the devil. Vous savez le diable. The devil said he has now portrayed himself as an agent of light. Il se déguise en agent de lumière. Everything is called church. Tout est appelé église. But everything is not the house of God. Mais tout n'est pas la maison de Dieu. Not everywhere called church is the house of God. Ce n'est pas tout lieu qu'on appelle église qui est la maison de Dieu. Because the devil knows if you call it house of Satan, nobody will come. Parce que le diable sait que s'il appelle la maison de Satan, personne n'ira. Then you call it the house of God. Donc il appelle la maison de Dieu. And they told them there. Et on leur a dit. You see, this is your first daughter. Que ta première fille là. Life will be difficult for her. La vie sera difficile pour elle. She will be finding it difficult to get any breakthrough. Et ici sera difficile pour elle d'avoir quoi que ce soit. From that day, et depuis ce jour, things became difficult for this innocent daughter. Les choses sont devenues difficiles pour cette fille innocente. She has written her exam. Elle a passé des examens. She got all the qualifications. Elle a eu toutes les qualifications. But no admission. Mais elle n'a pas été admise à l'université. Ils sont allés à l'école. The registrar said she met the qualification, but I don't know why her name is not coming out. Il a dit qu'elle a passé le concours et elle a de bonnes notes, mais je ne sais pas pourquoi son nom n'est pas là. Her sister came out. Et le nom de sa sœur est sorti. Then the father ran to me. Et le père est venu me voir. When he said it,
Quand il me l'a dit, I was vexed in the spirit. J'étais fâché, remonté en esprit. What an innocent daughter. Quelle fille innocente. I took her to the altar of God. Je l'ai emmenée à l'autel de Dieu. I carried the blood of sprinkling. J'ai pris le sang d'aspersion. I carried the anointing. J'ai pris l'onction. I did all the reversal. J'ai tout fait pour renverser la tendance. After doing all the reversal, et après avoir fait ça, ce renversement de tendance, anything that is not found in the word, j'ai dit tout ce qui ne se trouve pas dans la parole, reject it. Rejette cela. Every knowledge that wants to exalt itself above the word of God. Et toute connaissance qui veut se lever au-dessus de la connaissance de Dieu. Reject it. Rejette-la. Where is it written in the Bible life will be difficult for someone? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que la vie sera difficile pour quelqu'un? Not even Jabez. Même pas Jabez. The mother bore him in sorrow. Parce que sa mère l'a appelé souffrance. And call him Jabez. Elle l'a appelé Jabez. He said, because I bore him in sorrow. Parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Everything Jabez was experiencing in life was sorrow. Et tout ce qu'il expérimentait, c'était la souffrance, la douleur. One day, un jour, Jabez said, enough is enough. Il a dit trop, c'est trop. I hear somebody say now, enough is enough. Et j'entends quelqu'un dire trop, c'est trop. He said, Father, il a dit Père, change my story. Change mon histoire. I have been living a sorrowful life. J'ai mené une vie de douleur, de souffrance. By the verdict of my mother. À cause de ma mère. But as a seed of Abraham, mais en tant que semence d'Abraham, I am entitled to blessing. Je suis qualifié pour des bénédictions. And God granted him his desire. Et Dieu lui a accordé sa requête. He became more honorable. Et il est devenu plus honorable than all his brethren. Que tous ses frères. Somebody under the sound of my voice. Quelqu'un au son de ma heaven voix. Heaven is taking you. Le ciel from the back side of life. To the front liner of life. Dieu t'emmène de l'arrière-plan de la vie to the front à la liner démonture of life. De la vie. Then I declare over this daughter of Zion. Et j'ai déclaré sur cette fille de Sion. I remove despair. J'ai enlevé la malédiction. It was on Monday. Et c'était lundi. I said, as my God lives. Et je lui ai dit aussi longtemps que mon by Dieu est vivant. By Wednesday. Mercredi. You will testify. Tu vas témoigner. Then on Sunday, et dimanche, she testified. Elle a témoigné that Wednesday, que mercredi, she got her admission. Elle a eu son admission. There was a brother in the church. Il y avait un frère à l'église. A deacon in the church. Un diacre à l'église. Who has been applying for his PhD? Et qui passait son doctorat. He had a good result in his master. Et il avait de bons résultats pour sa maîtrise. In the same school, he obtained his master. Et il a eu sa maîtrise. For 2 years. Et pendant 2 ans. No admission for his PhD. Il n'y avait pas d'admission pour son doctorat. And he heard the testimony. Et il a écouté ce témoignage. And he said. Et il a dit. On this same altar. De sur cette même au I même take hôtel, my admission. Je prends mon admission. A month later. Et un mois plus tard. My transfer came. Mon transfert est arrivé. He cried on my office. Et il est venu à mon bureau. And said. Et il a dit. By the testimony of that sister. Par le témoignage de cette sœur. I have my PhD admission now. J'ai maintenant mon admission pour le doctorat. If I be a man of God. Si je suis un homme de Dieu. If it is God that is confirming my words. Et si c'est Dieu qui confirme mes paroles. I don't know what the devil may have been sitting on over your life. Je ne sais pas ce que le diable a fait dans ta vie. I see that devil now. Je lève ce démon maintenant. I call it your testimony. Et je déclare ta vie bénie. If I be a man of God, si je suis un homme de Dieu, according to the time of life, selon le temps you de are la vie, coming with your testimony. Tu reviens avec ton témoignage. If I be a man of God, si je suis un homme de according Dieu, to the time of life, selon le temps de la vie, we will name your baby. Tu porteras if ton I be bébé. A man of God, si je suis un homme de Dieu, according to the time of life, selon le temps de la vie, we will name your baby. Nous allons nommer ton bébé. If you don't know the time of life, si tu ne connais pas le temps de la vie, pregnancy have 9 months as a time of life. Pregnancy have 9 months. La grossesse a 9 mois.
mois. His time of life. Comme son temps de la vie, son when terme I say de la vie. According to the time of life, donc quand je dis selon le terme de la vie, in 9 months, dans 9 mois, we will name your baby. Tu vas nommer ton bébé. So the Holy Spirit, donc le Saint-Esprit, is the messenger of the covenant, est le messager de l'alliance, who unveiled the table of the covenant, qui dévoile le terme de l'alliance. Malachi chapter 3 verse 1 to 3. Malachi 3 1 à 3. Say, behold, I will send my messenger. Voilà, j'enverrai mon messager. And he shall prepare the way before me. Il préparera le chemin devant moi. And the Lord whom you seek. Et soudain, suddenly. Entrera come to his temple, dans son temple. Even the messenger of the covenant, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance, que vous désirez. Behold, voici, he shall come, il vient, said the Lord of hosts, dit l'Éternel des armées. But who may abide the day of his coming? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? And who shall stand when he appeareth? Qui restera debout quand il paraîtra? For he is like a refiner fire. Car il sera comme le feu du fondeur. I came here, I told you we have entered the season of fire. Je vous ai dit que nous sommes entrés dans la saison du feu. By the fire of the Holy Ghost. Par le feu du Saint-Esprit. Whatever chaff your destiny is carrying. Peu importe la paille que ta destinée porte. I see the refining fire of the Holy Ghost burning it off. Je vois le feu du fondeur tout consumé. A refining fire. Le feu du fondeur. It refines your body. Il va raffiner votre corps. You have a refinery in this nation. Vous avez une raffinerie dans cette nation. You extract your crude oil. Vous allez extraire du pétrole brut qui va transformer, qui va passer par le processus de transformation. It become a glorious product. Et qui devient un produit glorieux. Extract gold. En extrait de l'or qui passe par une raffinerie, it becomes an attractive product. Et qui devient un produit attrayant. Whatever make your life miserable, peu importe ce qui a rendu ta vie misérable, by the refining fire of the Holy Ghost, par le feu du fondeur, they are burning off your life now. Ces choses sont consumées maintenant. Refining fire. Le feu du fondeur. Is it stomach ulcer that is affecting your life? Est-ce que c'est l'ulcère d'estomac qui affecte ta vie? Refining fire will refine them out. Le feu du fondeur va le consumer. Lost sperm count. Est-ce que c'est un faible taux de spermatozoïdes? Tube blockade. Des blocages. Even no womb. Ou tu n'as même plus de fœtus. Refining fire. Le feu du fondeur. It comes. Va and remove every chaff. Enlever toute paille. And put the normal products. Et va mettre le bon produit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That is the work of a refining fire. Ça c'est le feu, le travail du fondeur. It makes you perfect. Qui te rend parfait. I see your life coming out perfect. Je vois ta vie devenir parfaite. Another thing refining fire does. L'autre chose que le feu du fondeur fait. It refines your life. C'est de raffiner ta vie. Have you heard people sing this song? Est-ce que vous avez écouté there ce cantique? There is a great change. Il y a un grand changement. Since I born again. Depuis que je there suis né de nouveau. There is a great change. Il y a un grand changement. Since I born again. Depuis que je suis né de nouveau. There is a great change. Il y a un grand changement. Since I born again. Depuis que je suis né de nouveau. There is a great change. Since I born again. Il y a un grand changement depuis ma nouvelle naissance. All the lies I used to lie. Tout le mensonge que je disais. I lied then no more. Je ne mens plus. All this stealing I used to steal. Tout ce que je disais. I do then no more. Tout ce que je faisais, je ne le fais all plus. All the evils I used to do. Et tout le mal que je faisais. I do then no more. Je ne le fais plus. There is a great change. Il y a un grand changement. Since I born again. Depuis ma nouvelle naissance. It is the refining fire. C'est le feu du fondeur. That makes you to detest. Qui vous fait détester. Whatever does not give glory to God. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. You now see yourself. Vous vous voyez maintenant. You don't engage it that doesn't give glory to God. Et vous ne pouvez plus faire ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Have you ever heard of this song? Est-ce que vous avez déjà écouté my ce cantique? My body. Mon corps. Is your sanctuary. Est ton sanctuaire.
mon corps, my body, est ton sanctuaire. Is your sanctuary. Purifie-moi comme de l'or. Purify me like gold. Afin que j'aie le courage de dire so I might be bold to say, que mon corps my body, est ton sanctuaire. Is your sanctuary. The refining fire refines your body. Le feu du fondeur raffine votre so corps. You become his purifie habitation. Votre corps. Afin que vous soyez appelé sa maison, son temple, afin que vous soyez appelé le temple de Jésus. Jesus said, pray thus. Il a dit, priez. Our Father, notre, who art in heaven, notre Père qui hello est aux cieux, be thy name. Hello que ton be thy nom name. Soit sanctifié, thy kingdom come. Que ton règne vienne. There is no kingdom without a king. Il n'y a pas de royaume when sans you roi. Pray, the kingdom come, quand tu dis que ton règne vienne, tu demandes que le royaume de Dieu descende sur toi. The king of the kingdom of God reside in you. Et ainsi, le roi du royaume de Dieu demeure en toi. By the work of the refining fire. Par l'œuvre du feu du fondeur. Somebody's life is already changing. La vie de quelqu'un est déjà en train de changer. Somebody's spiritual life is already changing. La vie spirituelle de quelqu'un est déjà en train de changer. Somebody's family life is already changing. La vie de famille de quelqu'un est déjà somebody's en train de changer. Somebody's financial life is already changing. La vie financière de quelqu'un est oh en train non, de changer. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. So our access, notre accès, to the realm of illumination, au règne d'illumination, is our access, est notre accès, to the realm of unquestionable dominion, au règne de la domination incontestable. Our access, notre accès, to the realm of illumination, au règne de l'illumination, is our access, est notre accès, to the realm of unquestionable dominion, au règne de la domination incontestable. Because the light, parce que la lumière, because the dominion of light, parce que la domination de la lumière, over darkness, sur les ténèbres, is instant, est instantané, and unquestionable, et incontestable, and unquestionable, et incontestable. John chapter 8 verse 12. Jean 8 12. Then speak Jesus again unto them saying, Jésus dit, I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. He that followeth me shall not walk in darkness. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. But shall have the light of life. Mais il aura la lumière de shall la have vie. What? The light of life. Il aura quoi? La lumière de la vie. It is the light of life that establishes your dominion on earth. C'est la lumière de la vie qui établit ta domination sur terre. You have solution, you have answer to any questionable aspect of life. Tu as la réponse, tu as la solution à tous les aspects de la vie. Hallelujah. Amen. So, however, to flow in revelation, pour couler dans la révélation, we must be born again, tu dois naître de nouveau and be baptized in the Holy Ghost. Et être baptisé du Saint-Esprit. We must be born again, tu dois naître de nouveau and be baptized in the Holy Ghost. Et être baptisé du Saint-Esprit. John chapter 2, Jean 2, Acts chapter 2, Acte 2, 38 to 41, 38 à 41. Peter said, Pierre a dit, be born again, répondez-vous, be baptized in the Holy Ghost, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Amen. So you cannot walk in the realm of illumination of dominion. Vous ne pouvez pas marcher dans le règne de l'illumination ou de la domination. Just by being a church member. En étant seulement un membre de l'église. Just by saying I am a winner. En disant seulement je suis vainqueur. So many are winners by sticker. Plusieurs sont des vainqueurs par autocollant. So many are winners by name. Plusieurs sont vainqueurs par le nom. That cannot stand the test of time. Et cela ne peut pas résister au test du temps. Be a winner by understanding. Soyez vainqueur par compréhension. Hallelujah. I see your level changing. Je vois votre niveau changer. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. By way of as a redeemed child of God. En tant qu'enfant racheté de Dieu. Fruitfulness is your inheritance. La fécondité est ton héritage. I don't know how long you have been waiting on God. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends Dieu. Fruitfulness is your inheritance. La fécondité est ton héritage.
God was showing me something. Dieu me montrait quelque chose. In our 10 years of waiting. Pendant nos 10 ans d'attente. He said, my son. Il a dit, mon fils. A woman gave birth to you. Une femme t'a donné naissance. A woman gave birth to your wife. Une femme a donné naissance à ton épouse. So your wife will give birth to a child. Donc ta femme donnera naissance à un enfant. A man produce you. Un homme t'a produit. You will produce. Tu vas produire. Is there anything that said this will not happen? Tout ce qui dit que ça n'arrivera pas is working against nature. Est en train d'agir contre la nature. Now, this is the best way I would describe it to you. Voilà comment je pourrais vous le décrire au mieux. If the river is flowing to this direction, si la rivière coule dans cette direction, somebody said no. Quelqu'un dit non. I want to reverse it. Je veux changer to go this direction. Pour que ça aille à contre-courant. Will it succeed? Est-ce que la personne va réussir? If the wind is blowing to this direction, si le vent souffle dans cette direction, he said, no, I want to reverse the wind. Il dit non, je vais faire que le vent tourne. In the same vein, de la même façon, any forces, toutes les forces that say you will not have children, qui disent que vous n'aurez pas d'enfants is fighting against nature. Est tout simplement en train de naviguer à contre-courant. This is not even about redemption now. Là, je ne parle même pas de la rédemption. Nature is after this order. La nature est selon cet ordre. Production. La production. So whatever is fighting your production. Donc peu importe is fighting nature. Est contre la production. By the supernatural power. Est contre la nature. By the liberation power. La puissance surnaturelle de la libération. J'ordonne que cette force s'écroule. Now let's move out of nature. Maintenant, sortons de la nature. As a redeemed child of God, en tant qu'enfant racheté de Dieu. Abrahamic covenant, sous l'alliance abrahamique. You are not permitted to be barren. Tu n'es pas autorisé à être stérile. It's not. Listen. Écoutez. There is a constitution. Il y a une constitution. That is guiding this nation. Qui guide, qui dirige, gouverne cette nation. Am I correct? N'est-ce pas? That is constitution. Il y a une constitution. So, the constitution that is governing redemption. Donc la constitution qui gouverne la rédemption. There is no barrenness inside. Il n'y a pas de stérilité dedans. Somebody say pastor. Quelqu'un dit pasteur. Doctor said it's not possible. Le docteur a dit c'est pas possible. Relax. Relax. God knows your case will be like that. Dieu savait que ton cas devait être comme ça. That was why he allowed Abraham and Sarah. C'est pourquoi il a permis à Abraham et Sarah to enter this case, the class d'entrer dans la classe of medical impossibility. De l'impossibilité médicale. So that spiritual possibility can come in. Afin que la possibilité spirituelle arrive. Is somebody under the sound of my voice? Est-ce que quelqu'un m'entend? And the devil said, et le diable a dit, your case is medically closed. Ton cas est médicalement fermé. Rise on your feet. Lève-toi. I told you to bring a point of contact. Je vous ai dit d'emmener des points de contact. Levez-vous. Bring out that point of contact. Sortez ce point de contact. If you don't have point of contact, si vous n'avez pas de point de contact, do your hand like this. Tendez les mains comme ça. As if you are carrying baby. Comme si vous portez un bébé. And say, Abba Father. Et dites Abba Père. When nature says it's impossible, quand la nature dit que c'est impossible, all things are possible. Tout est possible. To them that believe, à ceux qui croient. You allow Abraham to enter natural impossibility. Tu as permis à Abraham d'entrer dans cette impossibilité so naturelle. That spiritual possibility will answer. Pour que la possibilité spirituelle entre. By the power that governs spirituality. Par la puissance qui gouverne la spiritualité. I take delivery for my children now. Je reçois mes enfants maintenant. Now begin to claim them. Commencez à les recevoir. I am releasing your twins now. Take them. Commencez begin à les to recevoir. Claim them. Vos jumeaux. I release your triplets. Begin to claim them. Je libère vos triplets. Recevez-les. I release your male child. Female child. Begin to claim them. Je libère vos fils, vos filles. Claim them. Claim them. Claim them. Recevez-les. Recevez-les. Begin to claim them. Commencez à les recevoir. Claim your children. Recevez vos enfants. Claim your children. Recevez vos enfants. Yes, yes, yes.
When nature says impossible, quand la nature dit que c'est impossible, the spiritual realm says all things are possible. Le spirituel dit que tout est possible. All things are possible. Tout est possible. All things are possible. Tout est possible. All things are possible. Tout est possible. Begin to claim them. Commencez à les recevoir. Claim them. Recevez. La kato salada balaba. Re kato salada balaba. Recevez. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Père. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I stand on this liberation altar. Je me tiens sur cet autel de la libération. Standing in the shoe of my father, Bishop David Oyedepo. Me tenant dans les chaussures de mon père, l'évêque David Oyedepo. I decree. Et je décrète. Any covenant you have with the demon of barrenness. Que toute alliance que vous avez avec les démons de la stérilité. Is hereby scattered now. Est annulée maintenant. That covenant is hereby cancelled. Cette alliance est maintenant annulée. Any force or forces resisting your fruitfulness. Toutes les forces qui résiste à votre fertilité. I command them to lose their hold over your life. J'ordonne qu'elle lâche prise in dans the votre name vie. Of Jesus. Au nom de Jésus. I release your children as you desire it. Je libère vos enfants selon que vous I les désirez. I release your children as you desire it. Je vous les libère vos jumeaux comme vous. I release your children as you desire it. Je libère vos enfants comme vous les désirez. I release your children as you desire it. Je libère vos enfants comme vous le désirez. I release your children as you desire it. Je libère vos enfants comme vous le désirez. Whatever accusation the devil is using against you, toute accusation que le diable utilise contre vous, by the mercies of God, par les miséricorde de Dieu, il a dit j'ai pitié de qui j'ai compassion. J'ai compassion de qui j'ai compassion. I hear in my spirit to decree mercy over you. J'entends dans mon esprit qu'il faut que je déclare la miséricorde. Over your fruitfulness, peu importe ce que le Satan a contre ta fécondité, the mercies of God overrule. La miséricorde de Dieu the te couvre. La miséricorde the de Dieu te couvre. Miséricorde de Dieu te couvre. Au nom de Jésus. Selon le temps de la vie, we will dedicate your children. Nous allons consacrer vos enfants. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Now, the second set I'm praying for now, maintenant, le deuxième lot des personnes pour qui je prie. Business barrenness. La stérilité. Career barrenness. La stérilité charnelle. You are working, you cannot show anything for it. Vous travaillez, mais vous n'avez rien à montrer. Your business is not going forward, it's not going backward. Vos affaires n'avancent pas, ne reculent pas. Academic barrenness. Et vous avez la stérilité académique. Genesis 26. Genèse 26. There was famine. Il y avait la famine. The land was barren. Le pays était stérile. God stepped in. Dieu est entré. Isaac sowed. Et Isaac sema. He reaped a hundredfold. Et il a recompté au centuple. He became so great. Il est devenu si grand. That the whole nation began to envy him. Que les Philistins lui portèrent envie. And he said, as Isaac. Et il a dit comme Isaac. So are we. Nous sommes. I decree. Les enfants de l'alliance. From je décrète. Today, qu'à partir d'aujourd'hui. Today, qu'à partir your d'aujourd'hui. Your business is taking upward turn. Vos affaires vont monter. The works of your hands is taking upward turn. Les œuvres de vos mains vont prospérer. I decree breakthrough over the works of your hands. Je déclare la percée dans les œuvres de vos mains. I bless your hands for today. Je bénis vos mains à partir d'aujourd'hui. Whatever you lay your hand to do, tout ce que vous toucherez, go and prosper. Va prospérer. Any satanic agent. Toute agence satanique. That is using your glory to shine in the spirit realm. Qui utilise ta gloire pour briller dans le domaine sitting spirituel. On your glory. Qui est assis sur ta gloire. I unseat them in the name of Jesus. Je les lève au nom de Jésus. Whatever they have stolen from you. Peu importe ce qu'ils t'ont volé. I decree supernatural restoration. Je déclare la restauration surnaturelle. La restauration surnaturelle. La restauration surnaturelle. La restauration surnaturelle. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. From today, à partir d'aujourd'hui, go and start experiencing fruitfulness. Allez expérimenter la fécondité. When I declare, quand je décrète, he confirms. Il confirme. He told me,
Il m'a dit I should mind what I use my mouth to say. Que je dois faire attention à ce que je dis. Go and find out from my wife. Allez demander à ma femme. I don't crack joke. Je ne fais pas des blagues. I don't know how to say I was joking. Je n'ai pas besoin de dire je blaguais. Because he said, say no to the angel, it was an error. Parce qu'il a dit, ne dis pas à l'ange que c'était une erreur. I belong to the realm that don't joke. Je fais partie des gens qui ne jouent pas. It's not about me. Il ne s'agit pas de moi. It's about the Holy Ghost. Il s'agit du Saint-Esprit. Whatever you believe today, tout ce à quoi vous avez cru aujourd'hui, selon le temps de la vie, come and testify. Revenez témoigner. Come and testify. Revenez témoigner. This week, you will testify. Cette semaine, this tu vas month, témoigner. You will testify. Ce mois, tu in vas the name of Jesus. Au nom de Jésus. I declare you blessed. Je te déclare béni. I pronounce you blessed. Je te déclare béni. Your body is blessed. Ton corps est béni. Your brain is blessed. Ton cerveau est béni. The words of your hands are blessed. L'œuvre de tes mains est bénie. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. If you believe, lift your hands to heaven. Si tu crois, lève tes mains au ciel. Begin to appreciate God for the blessings he has. Commence à apprécier Dieu pour les bénédictions. Appreciate God for the blessings he has. Apprécie Dieu pour les bénédictions qu'il a libérées. Appreciate God for the blessings he has rained upon you. Father, I thank you for the blessings Père, you have rained upon me. Père, je te remercie pour les bénédictions. Thank you, Father, for the blessings you have rained upon me. Merci, Père, pour les bénédictions. Thank you, Father, for the blessings you have rained upon me. Merci pour les bénédictions sur moi. Thank you, Father, for the blessings you have rained upon me. Merci, Père, pour les bénédictions. Thank you, Father, for the blessings you have rained upon me. Merci, Père, pour les bénédictions sur moi. Thank you, Father. Merci, Père. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. For in Jesus' precious name, we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. It's already turning for you for a testimony. Cela vous est pour un témoignage. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Before we close this morning. Avant de clôturer ce matin. There are some sets cet of après-midi, people. Il y a certaines personnes. You are very unique before God. Vous êtes très unique devant Dieu. But you didn't know you are unique. Mais si vous ne savez pas que vous êtes unique. Because the devil don't want you to know you are unique. Parce que le diable ne veut pas que vous le sachiez. So he can start keep riding on your destiny. Pour qu'il continue à marcher sur votre destinée. When I call you now, quand je vais t'appeler maintenant, you will know you are unique. Tu dois savoir que tu es unique. You are in church. Tu es à l'église. You don't feel you have a connection with Jesus Christ. Tu ne sens pas avoir une connexion avec Jésus-Christ. Everything just looks so kind to you. Tout te paraît si charnel. That's what David called the joy of salvation. C'est ce que on appelle la joie du salut. So the devil have robbed you of the joy of salvation. Le diable t'a dérobé la joie du salut. You want it restored this Et morning. Tu veux que cette joie soit restaurée ce matin. Or you just came. Ou tu es juste venu. You know you have not received Jesus into your life. Tu sais que tu n'as pas reçu Jésus dans ta And vie. You need this joy of salvation. Et pour avoir cette joie du salut, I'm going to pray for you now. Je vais prier pour toi maintenant. And the joy will be restored. Et la joie sera restaurée. If you are that person, si c'est toi, lift your hand above your head. Lève ta main au-dessus de ta tête. Close your eyes. Ferme tes yeux. And repeat this short and powerful prayer after me. Et répète cette prière courte et puissante. The Lord bless you. The Lord bless you. Que l'Éternel lift vous bénisse. Lift your hand above your head. Lève ta main au-dessus repeat de ta tête. Repeat this prayer after me. Et répète la prière. Say, Abba Father. Dis Abba Père. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. I thank you for my life. Je te remercie pour ma vie. Today. Aujourd'hui. I know I am unique before you. Je sais que je suis unique devant toi. I am a sinner. Je suis un pécheur. I cannot help myself. Je ne peux pas m'aider. I cry to you this morning. Je crie à toi ce matin. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Forgive me my sins. Pardonne-moi mes péchés. Cleanse me, Father. Lave-moi, Père. By the blood of Jesus Christ. Par le sang de Jésus-Christ. From today, à partir d'aujourd'hui, I open up my heart. J'ouvre mon cœur. Jesus Christ. Jésus-Christ. I acknowledge you died for me. Je reconnais que tu es mort pour moi. You shed your blood for me. Tu as
verse ton sang pour moi. You resurrected for me. Et tu es ressuscité pour From moi. Today, à partir d'aujourd'hui, come into my heart. Entre dans mon cœur. Be the Lord of my life. Sois le Seigneur de ma vie. Be my Savior. Sois mon Sauveur. Restore to my life. Restore à ma vie. The joy of salvation. La joie du salut. Thank you, Father. Merci, Père. From today, à partir d'aujourd'hui, I am free. Je suis libre. I am born again. Je suis né de nouveau. Satan. Satan, concerning my life, en ce qui concerne ma vie and my destiny, et ma destinée, get lost. Va-t'en. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And amen. Amen. Congratulations. Félicitations. Please come over. Venez devant. I want to put a seal on this confession. Je vais mettre un sceau. Church, celebrate them as they are coming out. The Lord bless you. Come over, come over. Que l'Éternel vous bénisse pendant I que vous venez. I want to put a seal over your prayer now. Je vais mettre un sceau sur cette Church, prière. Church, keep celebrating them. Continuez à les célébrer. Because heaven is celebrating them. Parce que le ciel les célèbre. Keep celebrating them. Continuez à les célébrer. Because heaven is celebrating them. Parce que le ciel les célèbre. Keep celebrating them. Continuez à les célébrer. Because heaven is celebrating them. Parce que le ciel Keep les célèbre. Celebrating them. Continuez à les célébrer. Because heaven is celebrating le them. Le ciel les célèbre. Keep celebrating them. Continuez à les célébrer. Because heaven is celebrating them. Parce que le ciel les célèbre. Leave your seat speedily. Leave your seat speedily. Partez rapidement de vos places. As you come over, as you come over, et come venez over. Devant. Come over, come over. Venez devant, venez devant. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Also to join them. Un deuxième groupe de personnes doit you se joindre à eux. With us for the very first time. Vous venez adorer avec nous pour la toute première also fois. Join them. Also join venez, them. Venez, s'il vous plaît. Church, celebrate them as they are coming out. Église, célébrez-les pendant Today qu'ils arrivent. Today is your first Sunday. C'est votre premier dimanche. We win a chapel international in Libreville. C'est votre premier dimanche à la chapelle Please avec un international. Join them. Join them. Join them. Venez, venez, venez rapidement. Join s'il them. Vous plaît. Join them. Venez rapidement. Join them. Venez rapidement. Hallelujah. Amen. To those of us giving our life to Christ. Pour ceux qui donnent leur vie à Christ. I want you to understand. We j'aimerais que vous compreniez. So many years ago. Qu'il y a plusieurs années. And our life never remained the same. Nous l'avons fait et nos vies ne sont pas restées les mêmes. What just happened now? Ce qui vient de se produire. You don't know. Vous ne savez pas. In the spirit realm. Dans le règne spirituel. Authority changed. L'autorité a changé. You are no more under the prey of the devil again. Vous n'êtes plus la proie du diable. You are now a child of light. Vous êtes maintenant un enfant de la lumière. Now, maintenant, you have laid the foundation of a new life. Vous avez posé la fondation d'une nouvelle vie. You don't lay foundation and start living in it. Vous ne posez pas des fondations et puis vous rentrez dans la maison. You have to build. Il faut construire. Roof. Il faut mettre la toiture avant de rentrer. How do you build? Comment est-ce que vous bâtissez? Come and keep hearing God's word here. Venez écouter la parole de Dieu Follow ici. Our prayers here. Suivez les prières. You are already covered. Et vous êtes déjà couvert. C'est clair? Is that clear? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Always make sure you are here for prayer. Assurez-vous d'être là pour les you prières. Are receiving God's word. Que vous recevez la parole de Dieu. And you are putting God's word to work in your life. Et que vous mettez la parole de Dieu en pratique. Your destiny is already built. Votre destinée est bâtie. 2 months. 2 mois. Is too much. Est trop. For your glory light. Pour que votre lumière, que votre gloire. To start shining for all to see. Commence à briller. If at the end aux of yeux two de months, tous. Si vous restez 2 mois. You did not see any changes. Et vous ne voyez pas de changement. Come and meet me here. Venez me voir au bureau. But I know you will come with your testimony. Mais je sais que vous viendrez avec vos témoignages. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Now bow your head down as I pray for you. Baissez les têtes pendant que je prie pour vous. Abba Father, in the name of Jesus Christ. Abba Père, au nom de Jésus Christ. Behold your children. Voici tes enfants. Whom you have pulled out of the pit of hell. Que tu as sorti de l'enfer. Let your light. Que ta lumière. Shine over them. Brille sur eux. Satan. Satan. I command you. J'ordonne Lose your hold que tu lâches prise over these ones. Sur eux. They are no longer your property. Ils ne t'appartiennent plus. They are now for Jesus Christ. Ils appartiennent à Jésus. Whatever belongs to them, tout ce que tu avais contre you are holding bound. Que tu les retenais. I command you and your agent je t'ordonne à toi et à tes to agents release it now. De libérer tout ce qui les appartient que tu tiens. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. And amen. Amen. You are blessed. Vous êtes béni. Congratulations. Félicitations. I have further information for you. J'ai d'autres informations pour vous. But
Just follow the my pastor. Suivez mon pasteur. He will give you all the details. Il vous donnera les détails. He will give you my heart prayer. Il vous passera la prière de mon cœur. Are you with me? Est-ce que vous suivez? Every other thing you need to hear, he will tell you. Tout ce que Dieu veut vous dire, il vous le dira. Hallelujah. Before we close. Avant de faire clôturer. This is the month of the Holy Spirit. C'est le mois du Saint-Esprit. In my teaching, I say you must be born again. Vous devez naître de nouveau. And be baptized in the Holy Ghost. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Evidence of speaking in tongues. Et avec évidence du parler en langue. If you know you don't speak in tongues, si vous ne parlez pas en langue. And it is your heritage, et c'est votre héritage. It will empower you, cela vous donnera la puissance. To live a dominion life. De mener une vie de domination. And you want to be baptized in the Holy Ghost vous now, voulez être baptisé du Saint-Esprit. Evidence of speaking in tongues, avec évidence du parler en langue. Can you lift your hand above your head? Levez la main. I want to be baptized in the Holy Ghost. Vous voulez, je veux être baptisé du Saint-Esprit. You. Carry your bag. Prenez vos affaires également. Carry your Bible. Prenez vos affaires. The kingdom friend will lead you. Et les amis du royaume vont to vous conduire. Where the Holy Ghost baptism will be administered to you now. Là où il y a le baptême du Saint-Esprit. Because you don't need to come here again. We vous n'aurez have pas besoin de revenir ici. Just follow the kingdom friend. Suivez les amis du royaume. Please lead him to where Pastor conduisez-les là où il y a le pasteur Vladimir. Where Pastor Vladimir is. Là où il y a le pasteur Vladimir. He will administer the Holy Ghost baptism. Il va vous administrer you le baptême du Saint-Esprit. You need it. Go vous there. En avez go besoin. There. Vous go en there. Avez you besoin. Need allez-y. You need it. Allez-y. Hallelujah. Amen. The Lord bless you in Jesus' name. Que l'Éternel vous bénisse au give nom de Jésus. Give the Lord a big clap offering. Acclamez pour le Seigneur. As you have your seat. Et asseyez-vous. If you are going for Holy Ghost baptism, just move out speedily. And et si vous allez pour le baptême du Saint-Esprit, faites-le rapidement. Hallelujah. Amen. Good news. Bonne nouvelle. This week, cette semaine, we shall be looking at a very critical aspect of our life. Nous allons regarder un aspect très critique de la vie. Revelation, Psalm 11, verse 3. Psalm 11, 3. It says, if the foundation be destroyed, si les fondements sont détruits, what could the righteous do? Le juste que fera-t-il? Is to reset it. Il faut rétablir les fondations. Wednesday, mercredi, Thursday, jeudi, Friday, vendredi, we'll be looking at resetting foundation. Nous allons rétablir les fondements. Hallelujah. There are so many things you know it doesn't give glory to God. Il y a plusieurs choses que vous savez qui ne donnent pas gloire à Dieu. You as a man, you don't want doing them. You don't like doing them. Toi, en tant qu'homme, tu ne veux pas le faire. Mais quelque chose te pousse à faire cette chose que tu ne veux pas faire. There is a force in the foundation. Il y a une faute dans cette fondation. And we expose it to you these 3 days. Et durant ces 3 jours, je vais t'exposer ces faits. And the force will lose its hold over your life. Et ces forces vont lâcher prise. And you will be free. Et vous serez libre. We'll be fasting. Nous allons jeûner. Wednesday, Thursday, Friday. Mercredi, jeudi et vendredi. 5 p.m. 17h to 7 p.m. à 19h we gather here. Nous allons nous réunir ici. Alléluia. Amen. Good news. Bonne nouvelle. Next Sunday, dimanche prochain, we'll be breaking generational curses. Nous allons briser les malédictions générationnelles. 7, 9 and 11 a.m. respectively. 7h, 9h et 11h. So what a great plan God has for us. Quel grand plan Dieu a pour nous. After we reset foundation, après avoir rétabli les fondements, they will destroy all curses. Il va détruire les malédictions. Alleluia. Amen. So none of this service must you miss. Donc vous ne devez rater aucun service. Operation 11 hour change of story is running. L'opération de changement de la 11e heure continue. I don't tell you, I didn't say bring two people, just bring one. Je ne vous demande pas d'emmener deux personnes, emmenez seulement une personne. This Sunday. Ce dimanche. C'est clair? Is that clear? Okay, if you will bring one person, lift up your hand. Si tu veux emmener une personne, lève la main. I will bring one person. Tu dis je vais emmener une personne, I didn't say lève two, la main. I will bring one. Je vais emmener une personne. Lift up your hand. Lève la main. I didn't say, well, just lift it up. Lève ta main. See, no man can convince any man. Aucun homme ne peut convaincre un autre homme. It takes the Holy Spirit to convince. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Because it's in your heart. Parce que c'est dans votre cœur. The Holy Spirit will deliver that soul in your hand. Le Saint-Esprit va te donner cette âme. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because the time of the coffee has been reshuffled. Parce qu'on a revu l'heure du coupe-feu. Our covenant of prayer is readjusted from
to the usual time, 6 a.m. to 7 a.m. Notre heure d'alliance de prière a été revue à son heure habituelle, 6h à 7h. Is that clear? Est-ce clair? Praise the Lord. You better come and be part of the covenant hour of prayer. Venez participer à l'heure d'alliance de la prière. Something is happening here. Quelque chose se passe ici. It's fire for fire. C'est le feu sur le feu. Right from the days of John the Baptist, depuis le temps de Jean-Baptiste, till this very moment, jusqu'à présent, the kingdom of God suffered le royaume de Dieu est forcé. And the violence will take it by force. Seules les violences en emparent. By force, par la force, you must claim your destiny back. Tu vas t'emparer de ta destinée. You must claim your inheritance back. Tu vas t'emparer de ton héritage. By force. Par la force. No devil will dethrone you. Aucun démon ne va te détrôner. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You are blessed. Vous êtes bénis. To all the workers in the house. À tous les ouvriers de la maison. From pastorate. Depuis les pasteurs. To home cell worker. Jusqu'aux ouvriers des cellules. We'll be having a special meeting with our father. Nous aurons une réunion spéciale avec Bishop notre père, David Oyedepo, l'évêque David Oyedepo, this Saturday, ce samedi, the time again is 7 a.m. à 7 heures. You will not miss it. Vous n'allez pas rater ce service. Rise on your feet this Levez-vous. Morning. Are you blessed? Êtes-vous béni? Why not lift your hands to heaven and celebrate God for the blessings you have received? Levez les mains, célébrez Dieu pour les bénédictions reçues. Père, nous te remercions pour les bénédictions. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' most glorious name, we have Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Over your life and your household, no fly zone for the enemies. Sur ta maison et sur toute ta famille, zone interdite à l'ennemi. Over the works of your hands, no fly zone for the enemies. L'œuvre de ta main est une zone interdite à l'ennemi. Over Winner Chapel, Libreville, and her entire members, no fly zone for the enemies. Libreville, la chapelle des vainqueurs, Libreville et tous les membres sont déclarés une zone interdite au diable. As your hands are lifted above your head, comme vos mains sont levées au-dessus de vos têtes, you are lifted above the wickedness of the wicked. Vous êtes élevé au-dessus de la méchanceté des méchants. This week shall drop good news for you. Cette semaine apportera, vous apportera de bonnes nouvelles. Heaven will supernaturally advance you this week. Le ciel vous fera avancer surnaturellement cette semaine. Fruitfulness will answer for you this week. La fécondité répondra pour vous cette semaine. By this Sunday we will celebrate your testimonies. Et ce mercredi vous allez célébrer vos témoignages. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. You are blessed. Vous êtes béni. Together, let's share the goodness. Ensemble, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Praise the Lord. I am finally on the covenant highways of life. Gloire à Dieu, je suis enfin sur mes voies d'alliance de la vie. Félicitations. Félicitations. Tell someone, dis à quelqu'un, new month. Joyeux nouveau mois. Félicitations. Congratulations.